faire l'avocat du diable, ou plutôt de l'empereur, comment être sûr que l'empereur va vraiment tuer Luke? Est-ce qu'on peut pas penser que c'est simplement une façon de le provoquer pour qu'il le rejoigne? Tout simplement, si on reprend le synopsis, vient du côté de la force obscure, jamais, et puis il jette son sabre. Et qu'est-ce que lui répond l'empereur? Jeune imbécile, tu vas mourir. Et à ce moment-là, les propos sont limpides, tu vas mourir. Aucune discussion possible, il va le tuer. Point. Mais dans le feu de l'action, sous le coup de l'émotion, on est toujours sous le coup de l'émotion dans ce genre de situation. Comment juger si la réponse à l'agression est proportionnée? Ici, dans Star Wars, ça peut paraître clair, mais ça l'est parfois moins dans la vie réelle. Voilà, c'est le nœud gordien, vous êtes au cœur de l'œil du cyclone de la légitime défense. C'est la proportionnalité, c'est est-ce qu'on est vraiment en danger? C'est extrêmement compliqué. Bienvenue dans Make Sense, un saut dans la pop culture pour explorer les questions de société.